Du disco! Du disco, s'il vous plaît, après! Ah, le 5 à 7! Oh, y'a un verre! Et là, c'est là, là. Faut que ça part pas, là. Ça part, le 5 à 7! Là, faut voir Antoine, Anthony, faut voir Joannel, comme les gars. Joannel et Anthony, là. C'est si on veut jaser avec des gens, ça a rien donné, je comprends qu'ils le mettent pas, mais c'est comme. Donnez-moi de quoi, là. Faut que je mange. Je suis à côté de table! Ok, mettre la toune, là, sûrement. Ouais, ouais, pour se dedans, ouais. Yeah! Ça va être tellement cool, en plus, Annie. Oh my god, j'avais tellement hâte. Messieurs, dames! Hello! Hello! Bonsoir, comment vous allez? Bien! Bien, êtes-vous excités? Premier 5 à 7 de la saison! C'est tellement cool! Profitez de ce moment-là pour apprendre à vous connaître. C'est le moment le plus long que vous avez eu ensemble jusqu'à présent. Puis à part de ça, on vous laisse tranquille. Amusez-vous! Fait que dans le je comprends bien, là. Fait pause, il n'y a pas eu de party. Pas encore. C'est vraiment, ça part sur un 5 à 7. Hey, cheers, guys! Cheers! Respectfully, bien sûr! Let's go! T'as-tu une place que t'aimerais aller plus, mettons, tu pars en voyage? Ou... Mettons, Suisse, c'est dans mon top 5. C'est vrai, OK. Ouais. Bali, c'était dans mes destinations aussi, mais c'est toutes des destinations que j'aurais aimé faire en couple. Ça fait-tu longtemps que t'es célibataire? Attends un peu, là, c'était à ton tour. Non, je veux juste savoir. Mais c'est, hey, c'est parfait. Donnez-moi une chance, quelqu'un, c'est un crème. Okay. C'est parfait, je veux juste. Il a dit non, c'est à toi de parler, là. Ben oui. Hostie, mais il veut qu'elle parle. Mais je pense que je suis maladroit, mais il a l'air tellement sympathique, je trouve, là. For real. Avoir les tiens aussi. Pour moi, pour vrai, genre, un safari comme les animaux, j'aimerais vraiment ça. Nice. Mais regarde, c'est ça qui passe au double, fait que. T'as quel âge? 24. Ah! Oh, ouais. Arrête! Ouais. Je t'aurais donné comme. Mais pas parce que physiquement. Non, mais je sais, moi, honnêtement, tu me donnes 30, parfait. Mais c'est ça. Ça veut dire que justement, je dégage de quoi de plus pour toi. C'est probablement que c'est pas l'âge, c'est l'expérience à travers l'âge. Ah, je dis au pas tout. Elle est assez semblable à moi. Fait que terre à terre, quand même enjoué. J'aurais pas été bon, j'espère qu'il y en a un beau aussi. C'est quoi tes love language, genre ton langage amoureux? Est-ce que tu les connais? Moi, honnêtement, c'est faire des cadeaux et le temps de qualité. OK. Je suis quelqu'un quand même qui donne beaucoup. Moi, avec le peu que j'ai, je peux donner beaucoup de choses. Moi, tant qu'il y a vraiment une connexion avec une personne, je m'investis à 100%. Okay, nice. Je suis comme ça. Marie-Hélène est magnifique. Toute fille a un style différent, mais la beauté est unique. T'es-tu déjà à faire un premier move? C'est qui ce gars-là? Il est parfait! Hey, il parle, là, dans... Je suis comme... T'as rendu compte qu'on dirait comme l'homme de rêve que tu t'inventes dans une fantaisie? Oui, c'est genre. Un... Je te jure, c'est un AI. Oui! Je le dis! C'est un AI. J'ai vraiment essayé pour comme trouver l'amour puis avoir une famille. Une famille? Ouais. Puis près des amis, de nouveaux amis, là. Des amis pour la vie, là. Attends, excuse. J'arrête pas de tousser, je pense que j'ai scorbut. J'aime vraiment ton énergie pour vrai. Tu matches tellement mon énergie, j'aime trop. Ouais, mais tout, c'est de là un bon petit vibe comme un peu random. T'es genre random. Je suis random. T'es random. Ok, ben. J'aime ça. Je vais le prendre. Ça sort pas ensemble. Ça fait aucun fit, ça. Non, mais. Elle a trip dessus, lui, est gomme, non. Tu vois, on pourrait être bien amis, non, ouais. Ils sont zéro on ensemble. On pourrait être des grands crises de chum. Vive le scorbut. Ouais, vive le cheers au scorbut. Non, mais si, t'as pas l'air de comme être. Quelqu'un d'autre, là, genre, t'as l'air de... Non, c'est vraiment moi, c'est ta vibe, là. J'ai un fort intérêt envers Simon. Mais je sais pas si c'est réciproque, par contre, là. Je me demande, on l'espère. Puis les applications, t'as-tu été là-dessus un peu, ou... Ouais, mais j'ai pas des bonnes photos. Tu sais, je suis pas un gars qui aime prendre photos, moi non plus. Tu sais, moi, les applications, ça a pas marché, ouais. Genre. Tu mesures combien? Imagine le voir texter. Non, tu es vraiment... Il doit texter comme mon père. Ce gars ne texte pas. Le gars, là, tu peux pas avoir peur qu'il flirte sur son cerveau. Il y a un Blackberry. Il y a de la misère à comme. Tout, c'est un Blackberry, faut que tu gosses avec l'espèce de joystick au milieu, là, c'est impossible. Non, c'est de la merde. Bon, la date de Matt, le sujet est sorti là, de l'activité avec l'arc. Ouais. Elle est allée direct au sujet, tu sais, puis j'étais comme, OK, ça va être de même. Je me sens mal, puis je comprends pourquoi t'as réagi ainsi, puis t'es allée tasser. Puis je voulais m'excuser, puis j'aurais dû juste te laisser parler, right? C'est correct. Puis je m'excuse. C'est pas grave. C'est vraiment genre, je m'excuse. Je prends. J'étais full excité. Il y a pas de beef, là. Il y a zéro, on est correct, là. Il y a pas de problème. Même que je dirais qu'il y a du potentiel, mais c'est à voir. Ton nom, Mia, c'est unique. Oui. C'est plus un nom de film ou un nom de... T'entends-tu le style de musique de Cinderella qui joue in the back? Mais man, ton nom,
c'est unique. Ce gars, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Ah. On dirait une petite fille de 16 ans qui décrit c'est quoi l'amour. Oui. Mon homme parfait. Joannette, il a l'air vraiment gentil. Un grand chevalier. Oui. C'est plus un nom de film ou un nom de manga. Oui. C'est bon, autant que... Un nom de manga. Aussi, j'imagine que t'en as... Non, non, mais... Weeb, c'est un weeb. Tu parles pas de manga si t'écoutes pas les animes à côté. Sérieux, j'en ton nom, ça peut rappeler un nom de manga. C'est ça, c'est ça. Tu te dis ça, toi, t'es comme, qu'est-ce que tu me dis? Ouais. Quand j'ai entendu Joannette, j'étais comme wow, c'est ah ouais? Un très beau nom. Merci, merci. Vraiment, merci, merci. Moi, chaque bijou a comme une signification. Ton index, c'est quoi? Ça, c'est les pierres d'infini de Marvel. Des pierres d'infini. Impossible. T'as-tu déjà écouté Léa? Impossible. C'est cool quand même. C'est donc bien drôle, je raconte. C'est nice, ça. What the fuck? What? Elle se prend pour Thanos? T'es comme les mêmes pierres qu'il y a sur le gant de Thanos. Ok, t'es une madame en ouais, avec c'est un petit geek. Un petit peu. C'est nice, ça. Ouais. Ah ouais, c'est hot. Ouais, c'est hot, ça. Des beaux yeux, là. C'est comme perfect, c'est un peu. Oh, mais lui, il a nos clous. Façon d'approcher les choses. Non, mais tu sais, c'est facile, c'est simple, même avec tous les gars avec qui t'as été. Mais j'aime le monde. Ils sont revenus en disant, c'était cool. Ah, nice, je suis contente. Je pense que je l'ai facile au niveau des compliments, là. T'es des intérêts, mettons, ici, du côté des filles. Moi, je suis brunette. Ah, moi, ouais, je suis okay, genre, je suis pas déçu de mon choix sur le tapis. Là. Ah, mon Dieu, t'es pas. Ouais, le popine, je suis d'accord avec toi. T'es mon genre. Je te le dis, t'étais ma préférée dans les 8 que j'ai vues sur le tapis. Je te le dis. Oh, Mathieu. C'est nice quand même. Très, très belle découverte. J'ai deux tatous. J'ai celle-là. OK. J'ai celle-là. C'est quoi ça? C'est deux mains qui se tiennent. Ouais, OK. C'est excuse-moi. Deux mains qui se tiennent, c'est bien correct. Puis, j'étais supposé faire les deux en même temps. Dans ce temps-là, j'avais une copine. Ma copine ne voulait pas. Que j'ai l'autre tatou sur la fesse. Elle, elle voulait pas être comme non, t'as trop des belles fesses. Ok. Fais pas ça. T'as trop des belles fesses. Mom. Yeah. Moi, la musique, là, j'adore ça. Là. Mom. Moi, son musique, sur le cul. Toi, tu m'as dit écouter. Joannette puis Marlène, ils ont l'air de bien s'entendre. C'est un vieux gag, anyway, ils parlent depuis tantôt. Le mom sur le cul, c'est pour rire. Ouais. Moi, je ferais pas ça. C'est mais affreux, j'ai ça. I mean, vu que c'est lui, ça passe, ça. Tu comprends? Je prendrais jamais quelqu'un qui te dit « Fais pas ça à ton physique, genre. » Tu sais, oui, je te trouve vraiment laide quand t'es blond, mais si tu veux te teindre blond, fais-le, tu sais. Ça mérite d'être dit. Toi, t'écoutes? Non, R&B, j'écoute aussi du Céline Dion, je t'avoue. Ah ouais? Moi, j'en écoutais quand j'étais très, très, très jeune. Ah ouais? Parce qu'au fond, en France, il y avait juste ça avec Garou, des anciens, anciens chanteurs. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai grandi avec cette musique-là. Donc, ouais. Ça, c'est impeccable. Moi, on a beaucoup c'est chose. Impeccable! Ça avait un petit charme! C'est quelqu'un qui dit? Ah, il est tellement bon! Non, mais... Hey, mais son vocabulaire, il est parfait. J'ai adoré l'activité qu'on est allé faire. Moi, j'ai adoré. Moi, je suis revenue, là. J'étais comme, oh mon Dieu, Anthony! Mais tu sais, tout est intense! Je te jure! C'est pas pour être intense. C'est beau, c'est... Quel visage incroyable! Beau sourire, beaux yeux, ça clique super bien. Oh. Lui, là, il fit très avec la Germaine. Moi, je trouve que lui, il fit très bien. Mais ça, je dis, elle, c'est une Jeremy. Ah, oh, c'est elle, la Germaine. Ben lui, oui, c'est très bien. Lui, il faut qu'il se fasse carry, ce gars-là. Non, mais là, lui, il a l'air tellement comme. Ce gars-là, ça a l'air d'un gars qui aime ça se faire gérer. Bon, mais là, quand même, ben oui, cet après-midi, demain après-midi, on a ça. Parfait, madame. Tu comprends? Ouais. C'est son vibe, genre. Tout beau. Il y a vraiment le genre de personnalité que j'aime. Mais tu je veux pas être le genre de tous les gars, là. Non, 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 mais tu sais, t'es super belle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toi aussi, t'es beau. Puis en plus, j'aime ça, les tatous. Oh, arrête de me dire ça, c'est un crème. Regarde donc. C'est incroyable, tu penses. Moi, je trouve que le boy, il a l'air. Je suis sûr que c'est genre le plus travaillant sur la terre. Ça, c'est sûr. Peu importe ce qu'il fait, là, je suis convaincu que faut que je sois là à 4h le matin. Oui. Parfait. Jusqu'à minuit. Parfait. Anthony, là, je gâche 100$ que lui, là, il mange puis il fait sa vaisselle. Ouais, puis il fait une Christy de belle job. Lui, là, il est bon, là. Dans lui, le samedi, là. Il a sa routine ménage. Oui, c'est t'es ça! T'es sûr! Tu connais pas mon comics? Non, j'ai jamais écouté ça. C'est un film triste? C'est un film. Genre, tu pleures à des films d'action? Mais c'est un film, c'est une biographie, c'est une vraie histoire. Tu connais Martin Luther King? J'ai parlé de Martin Luther King et de Malcolm X. Pour moi, c'est des très grandes inspirations. Lui, c'était la personne qui a pu donner l'accessibilité aux Noirs américains de pouvoir avoir la liberté aux États-Unis. Je incite les gens qui ne le connaissent pas de pouvoir vérifier ces gens-là parce qu'ils ont vraiment changé quelque chose dans l'histoire. Prochain coup, on viendra se parler en premier. Oui. Mais quel homme puissant, man! Ça a aucun sens, man. Sacre, man. Oh, mon Seigneur! Mais c'est qui, ce gars-là? God! Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un gentleman parmi des enfants, là. Mais merde, ce gars-là, il vient pas de notre époque, là. C'était donc bien drôle, ça. Lui, il est des années 1800, le gars, là. Il est trop clean. Mais pour elle, lui, c'est comme... Tu te rends compte qu'on a le même âge? Non.
C'est mon intention, c'était d'aller parler à Anthony. Ouais, même moi aussi, je voulais t'avoir. C'est ça, je voulais t'avoir. Ça va de dire au revoir. Et tout est facile à aimer. Personne ne veut dire au revoir. Bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Super belle. Merci. Il y a pas proche. C'est vraiment cute. De la fesse. Mmh. S'il te plaît. J'ai déjà hâte de les revoir. C'est tellement beau. En amour. Non, c'est job. Je l'aime, moi, elle. Moi, je l'aime, Marilyn. Vite, vite, raconte. Matt B, il est pas venu encore avec... Non. Ben non, c'est le 5 à 7. Ben Chris, il fait nuit. C'est vrai. Je trouve ça quand même chiant qu'il y ait avec une date, il y a une date avec une fille qui, sur qui il trippe pas, puis... C'est vrai! C'est, j'avais oublié qu'il existait! C'est peut-être que la ville était fucking loin, tu sais. Ils ont une date qui s'est pas connecté, c'est puis... c'est plate, pour il, vrai! Il manque le match avec tout le monde, c'est poche. C'est vrai! C'est poche. Ouh, yo! First thing first, j'ai réussi à voler le swan. Ouais! On s'est fait mettre au défi de voler un des floaties sans se faire pogner. Je finis ma date avec Lara. Je suis sorti dehors, un peu sneaky. Je regardais autour, personne regardait. What the fuck, t'as passé? Et voilà, on a maintenant une nouvelle mascotte. Eh, hey, mais non! C'est bon, mon gars. Et son nom est officiellement Krusty. Ah! Krusty fondant, c'est quelqu'un qui croustille à l'extérieur et à l'intérieur qui a le cœur fondant. On garde dans notre cœur, peut-être. Hey, man! Oh, man! Il fait reprendre ses expressions. Il est content? Bonjour, encore une fois. Le signe de Toulouse. OK. Il aime ça? Mais je pense qu'ils sont, ils viennent de là. Si ça y va, c'est correct, d'abord. Ça y va, c'est correct. On dirait que je suis intimidée quand je parle. Ah ouais, Antoine? Rebecca, on a des choses en commun pas mal, là, comme on est plus relax, terre à terre. Pis... J'aime son énergie, avec le signe, genre. C'est chacun, c'est le droit de parole. Quand même aussi, non, mais il dit ça avec le signe de ouais, celui. C'est le droit de parole. Si ça paraît pas tant. Mais je vais parler aussi de Mathieu Pasteur, parce que genre... J'ai aussi, fait que... Désolé pour ceux qui voulaient parler avec Rebecca, je pense que j'ai passé 40 minutes avec. Oh mon Dieu, il est insane. Drôle, on se connaît. Hey. Oh. J'ai parlé. J'ai juste parlé à Anthony 5 minutes. C'est comme un crush. Fait ouais, je comprends. Moi, ce soir, j'ai commencé ma soirée avec Laurence. Gros coup de cœur à Vincent aussi, là. Je serais quelqu'un avec qui ça pourrait se projeter, genre. Je penserais pas qu'il y a du potentiel avec Laurence pour moi. Puis, ben, Lara, je reste vraiment sur mon même. Oh, man. Ah! Jusqu'à présent, je dirais que c'est Vincent en premier. Lara, t'es là. Mais là, c'est qui? Pof, c'est check, de là, check, là. Check. Lara est avec Vincent, c'est correct. Mais c'est qui la second best qui va avoir Simon? Que Simon, il est top tier. Simon, c'est un solide. C'est qui une autre solide qui irait avec Vincent? Céline, elle va voler le voyage, puis elle va voler avec Simon. Mais moi, j'aimerais ça que Marilyn, elle se matche, parce que j'aime trop sa vibe, Marilyn. Céline, elle va venir, là. Intense. Puis... Rebecca, je l'aime. J'aimerais ça que Rebecca se mette. Mais non, Rebecca, elle est bandée sur Matt P, là. Ouais. On avait comme Danny en tête de comme, ce serait moi notre genre. Mais comme. Il a parlé? Ouais, ouais, il est venu me voir à la fin. Elle m'a dit, OK, on va couper son cours. Ben, tu vois, c'est quand je dis qu'elle est crue. On va se dire, on va se dire les affaires. Il dit, je veux m'excuser parce qu'il dit, je t'ai vraiment coupé la parole, au fait. Je trouvais ça quand même gentil de sa part. On a quand même eu une très bonne date après ça. Ça rend ça difficile parce que, tu sais, moi aussi, c'était un choix facile comme d'intérêt que j'aurais pas gardé. Marjo, je viens d'aider, toi. Puis là, ça m'est arrivé comme... Ouais. Marilyn. Ouais. Wow. Oh, j'aime regarder les Olympiques, j'adore regarder les Olympiques. Elle aime danser, elle aime voyager. J'adore faire une chose aux deux ans, je suis une tripeuse. Non, mais... J'ai rien à dire de négatif. Okay. Ouais. Il y a quand même une belle énergie. Dernière date, c'était avec Marie-André. Il m'a surpris. T'as quand même changé ma perception de lui un peu, on connecte. Il joue au cricket! Un peu plus Mathieu Pasta, tu sais. Pour vrai. Vraiment nice. Je pense que plus tu poses de questions, plus elle s'ouvre, plus elle est sympathique, plus elle est spéciale. Marie, André, Marilyn, c'est encore un peu compliqué pour moi. Oh, OK. Guys, c'est juste naturel avec elle. On dirait que c'est comme... Avec Mia. Ça clique, là. J'ai pas vu le temps passer du tout. Hein? Comme... Oh, il dit... Tu montres ta clique avec Mia. Ah, ça me surprend. Ah, ça me surprend full. J'aime beaucoup mon énergie. Ah, les deux, t'as encore big pour elle, big. On dirait moi en fille, big. J'ai juste hâte de la connaître davantage. Tant mieux, laisse-toi. Non, mais cool! Nice. C'est nice! C'est nice! Ah, mais je suis vraiment contente pour Mia. Oh, dis! Il a manqué la. Il est venu de l'activité de Thomas. Je trouve ça sauvage. Je trouve ça plate pour lui. Parce que lui, il fout le pas d'âme, puis il est comme. Ah! Oh, vous avez chillé avec toutes les filles! Hey, c'est vraiment. Hey, moi, je serais vraiment. Off! Vous êtes pas couché? Non! Oh, c'est tellement chiant, merde. Ils ont aucune idée qu'il y a une activité, là. C'est tellement dans les cheveux! Oh,
On est allé, ça s'appelle le Tomatina. Tomatina. C'est dans la ville? Oui, c'est ça, c'est dans la ville. C'est une tradition à chaque année qu'ils font ça. La rue au complet, c'est une soupe aux tomates. Killer. Ouais. Dans le fond, je suis arrivé là-bas, il y avait plein de monde qui sautait pour pogner un jambon, c'était fou. Vous avez fait quoi, vous autres? Oh, fuck! Vous avez chic toutes les filles! Moi, avec Racky. Ouais, ça avait été pour vrai, super gentil. Ouh! Racky a foutu avec Joannelle. Oui, c'est vrai. C'est une petite stud, studieuse, mais cool. Et est actuelle, c'est vrai. C'est un gros brain. Je pense que Joannelle, il a besoin de quelqu'un qui est comme plus fofolle. Parce que lui, tu sais. Vu qu'il est giga posé. Le soir, il est assis dans sa chaise de fourrure. Puis. Racky a fait avec moi. Ok, bro. ouais, même peut-être. On va voir. Tu sais, vous autres, j'imagine que vous avez rencontré les autres filles, ou non? C'était vraiment cute, genre, c'était le fun. Genre, on apprend à se connaître et tout. Merci. Pour vrai, genre, il est vraiment intéressant. Je trouvais que comme il s'ouvrait plus, puis on était un peu plus à l'aise, on riait. Tu sais, la fin de Thomas, ça l'a clairement aidé. Puis il m'a dit qu'il avait aussi le goût de me revoir après la date au château, fait que c'était cool. Puis c'est ça, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Tu avais quitté toi, Thomas? Impossible. Rachid. Non, ça fait pas Rachid, Rachid. J'ai un blanc à vide. Raki, quand t'es bourré, c'est normal. Hey, gros, j'entends être rouge, là. Non, je peux qu'on pas pense gars-là avec Joannelle. Non. Joannelle, lui, aurait fait Raki, la femme Raki, aux cheveux étincelants. Son nom est si unique. Oui. C'est telle une fleur. Son nom vient d'une déesse grecque que j'ai connue quand c'est j'habitais au château de Versailles. Impossible d'oublier un tel nom. Oui. Deux, on aime Mathieu. Toi, tu me dis, oh ouais, c'était vraiment le fun avec Mathieu, nanana. Puis je suis comme, oh mon dieu, moi, Mathieu, il me dit que genre, je suis vraiment comme la personne sur laquelle il pense. Il a pas arrêté de me dire que j'étais belle. Je te le dis, t'étais ma préférée dans les 8 que j'ai vues sur le tapis. Je te le dis. Puis il a dit qu'il voulait me parler de la prochaine fois. Ça, c'est moi. J'ai tout dit ces jours-là. Ok, ça va bien. Le prochain coup, on viendra se parler en premier. Oui. Ça va bien. Tu peux pas enlever le feeling que comme au début, la première personne à qui tu voulais parler, c'était Anto. Fait comme, c'est correct que t'as dit genre, j'aurais aimé ça te parler en premier, genre t'es la première personne vers qui j'aurais été, mais turns out, Mathieu était plus vite. Moi, au final, je pense que c'est juste correct, là. Woup, 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 woup! Hey, c'est tellement bon au dé cette année, franchement. Par contre, sais-tu qui serait encore mieux? Check ça! Des designs à tout casser. Une façon incroyable d'encourager moi-même, le channel et mon éditeur. Crime. Jette un coup d'œil. Piment 5, 5 pièces de rabais. Check les designs. Magnifique. Des trucs relatable, sexy. Respectueusement, très cute. Check it out. On retourne aux vidéos. Oh, merci, Pierrot. C'est malade. Je vais te déboucher. J'avais comme attrapé froid avant de partir avec les essais, puis le tapis rouge congelé. J'étais déjà fragile. Fait que j'avais déjà un peu de congestion, puis là, avec les montagnes, ça a bouché, mais vu que je suis congestionnée, c'est comme ça passe pas. Sûr, t'as de la tomate dans l'oreille. Quoi? Sûr, t'as de la tomate dans l'oreille. Ah, ça m'étonnerait même pas. Allô? Elle est pas belle, la petite. Messieurs, comme vous savez, occupation double, c'est le fun, c'est du plaisir, mais... Ça reste un jeu. OK. Et ce jeu vient malheureusement avec des éliminations. Ça va être... Les deux. Ça va être une fille. Ah ouais, hein? Ça va être une fille. Vu que les gars, ils sont choisis, je crois qu'ils vont comme donner un petit break. Ah ouais, c'est vrai que ça serait différent, ben oui. Moment plus difficile, comme quand c'est le temps d'éliminer d'autres candidats. Ouh. Si je suis ici, c'est pour vous annoncer... Lily Semaine, c'est un gars et une fille. Oh shit! Hey! Oh, oh f***, impossible. Déjà, ça commence. Maintenant, c'est tout. Bonne journée, les gars. Je vous aime. Oh, OK. Un gars, une fille. Comme ça intense. En plus, lui, c'est chiant parce qu'il n'a pas vu aucune fille. Bien. Mais non, mais ce qui arrive, c'est plus Antoine, il est mieux d'avoir pas pour un voyage. C'est pas impossible. Ah oui, ça aussi. C'est comme si pas. Si personne n'y a parlé. C'est à date, personne. Fait que, à moins que Céline, elle arrive puis elle dise ça a été comme le coup de cœur de ma vie. Ouais, ouais, ouais. Hey, c'est rough, ça, quand même. Allez, les gars, je vous ai entendu, c'est vraiment chien. ça commencera. Ça commencera. C'est vrai, c'est vrai. Faut faire de la place pour les autres. Mettons qu'on avait les photos aussi. J'ai scrappé mes vacances, on ne tente plus d'aller dans la piscine. On se sent en danger, dans le fond, parce qu'on n'a pas eu d'interaction tant que ça. On n'a plus eu le temps de connaître personne. Éliminer quelqu'un, ça va être très. Au moins, c'est égal pour tout le monde. Tout d'un coup, je ne me sens pas très bien.
On dirait que j'ai oublié que ça faisait partie du jeu, ça. Ouais. De l'élimination, ça. Une fille et un gars. Tu te claques dans la face pareil, c'est la première semaine, puis il y a quand même déjà deux personnes qui s'en vont. Ah, on va se fight un peu, du port, man. Ouais. On reste chum à la fin. On reste chum, ouais, là. Eh oui, on joue le jeu, mais on reste chum no matter what. Hey! Lui, sa mère doit l'écouter, là, puis elle doit être contente aujourd'hui. Les gars, qui ont faim. Ouais. Salvatore! Ça tombe bien, parce que je m'en viens vous annoncer qu'il y en a une parmi vous qui va pouvoir faire le plein de vitamine B, d'oméga 3 et de fer, parce que le chanceux s'en va déguster. Les espestos de sardines. Oh! 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 Non, même, sure. Ça voulait dire brochette de poulet, les amis. Alors, sardines, sardinaise, vous avez vu le lien, c'est un plat typique d'ici. Yum. Donc, le chanceux est. Là, attends, c'est qui est parlant d'être? Oui, Joannelle avec Marilyn. Joannelle avec Marilyn. J'aimerais ça, ça serait bon, nice. Ça. Joannelle! Marilyn! Yeah. What? Rebecca? Mais sérieux, il niaise-tu? Quelle fête! Tu veux solidifier ça avec la bitch, là? Let's go, là! Faut que ça fasse ça! Joannelle et Rebecca! Mais non! What? T'as une idée avec qui tu y vas? Non, j'ai aucune idée, honnêtement. C'est Rebecca! Tu y vas avec Joannelle. Yeah. Même elle est comme pour toi. Bon appétit, tous, puis je te souhaite bien du plaisir. Merci beaucoup, Fred. Alors, n'aie pas le choix parce que tu pars maintenant. OK. Aimes-tu les sardines? Ouais. J'adore les sardines. Elles sont bonnes, en plus. Ouais. Je suis vraiment déçue. Je pense qu'on est jamais mangé. Moi aussi, moi aussi. Mais j'aime Joannelle. Oh! Je suis excitée. Dude, c'est tellement beau, what the fuck? Ça n'a aucun sens, même. Ça n'a pas de bon sens! C'est quoi le rapport, là? Mais ça, c'est en Espagne! Oh, oui. C'est il y a donc des folles montagnes! Hey, let's go, t'es Brian! Sur le bord de la Thanks, mer. Man. J'étais vraiment excitée parce que Joannelle, ça faisait partie de mes intérêts. Que okay. Ah ouais, ok! Ok, okay. C'est avec toi que je fais l'activité. Oui. Et je me suis dit, finalement. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps de se parler. Non, je suis vraiment contente. Plus, moi, j'ai regarde comment c'est beau, des sardines. Ouais. Il est vraiment soivé, ce gars. Ça, c'est un décor à la hauteur de les poissons sont des épées. Ça a l'air dégueulasse. Sont des fucking épées, même. C'est des grosses sardines. C'est magnifique. Pour des épées, quoi. Oh mon Dieu, OK, je souperai pas. Installe-toi. Mais oui, elle a le droit de fouiller un nez, faut que je. Plein de fleurs. C'est pareil. Vraiment parfait pour une first date, là. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Moi non plus. T'en as-tu déjà mangé? Ouais, mais pas gros. Pas gros comme ça. Mais... Moi, je suis pas dédaigneux de la bouffe. Je m'en. Moi, ça me. Je serais pas comme. Ça me pensait, on dirait, à Gollum dans. Je serais pas une amoureuse de ça, là. Ouais, je sais pas trop, là. Ok, mais là, moi, je suis trop curieuse. Le chapeau, il vient de nos bons. Vas-y, avec plaisir. Ok. Zach, t'es là, cool, premièrement, les sardines, moi, je pensais que c'était petit. Là, c'était comme 12 grosses sardines avec les yeux, la tête. Mais tu manges quoi, le corps? Mais tu manges la peau pis tout, genre? Je sais pas, man. Ouais, ça. Il doit avoir des arêtes. Je sais pas. Oui. J'ai jamais mangé un poisson que je devais ouais. Gosser moi-même. Cheers. OK, cheers. La peau pis tout. Mmh. Ils sont vraiment bonnes. Manger avec des mains à la première date, c'est non d'habitude, mais là, on... c'est correct. Il n'y aura plus de gêne entre moi et Joannelle. C'était tellement bon. En tout cas, bon, bien goûtant. On commence en force. C'est parfait. Après ça, je serai plus gêné de rien manger devant toi. J'ai ressenti que Rebecca n'est pas habituée à manger des sardines, mais ça a fait plaisir de l'aider. Mais en même temps, après, moi et elle, on a bien mangé ensemble et c'était magnifique et drôle en même temps aussi. Cheers à nous. Cheers à notre première date. Je parle italien, c'est ma première langue. OK. Je parle français, anglais. Tu parles français? Ouais. Ouais, pas pire. Français, anglais, italien, un peu d'espagnol, les lingala. Je veux me réincarner à Joannelle. Parce qu'elle n'est pas revenue au Congo, Brazzaville. OK. Sinon, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu cherches chez un homme? Exactement. Je parle aussi de ton passé avec tes ex ou c'était comment tes expériences sont dans ton non, passé. Non, attends. Les ex, c'est off-limits en first date. Okay. Je respecte le fait qu'elle ne voulait pas aller plus en profondeur. C'est des choses normales. Sinon, toi, au niveau à date, pour avec les dates que tu as eues, est-ce que tu as des top 1, top 2, top 3? Ben, nous, dans la maison des filles, on appelle ça les tops du jour. Mais comme, tu sais, nos intérêts du jour, parce que, tu sais, on est tellement au début. Fait qu'admettons, toi, tu fais partie des garçons qui m'intéressent. OK. Tu sais, pour moi, le physique, c'est important quand même. Ouais. C'est pas. Faut qu'il y ait les deux. Faut qu'il y ait la connexion physique et la connexion. T'aimes-tu ça qu'il y a l'air d'un gros crise de titan? Il y a l'air d'un athlète olympique, là. Il y a l'air d'un pro lanceur du poids. Ouais, mental, émotionnel, tout ça. Okay. Tu sais, mettons, toi, physiquement, tu me plais. Puis là, tu sais, je suis contente de passer du temps avec toi.
pour apprendre à te connaître. Je pense que ça coule. Là, quand oui, c'est réciproque. Ça, c'est coule. Réciproque. Ça coule bien, ça coule comme de l'eau. La manière qu'elle est, elle est toujours solaire, elle a une belle énergie, c'est ça qui marche. Elle est toujours solaire. Allumée comme le soleil? Non, mais qui utilise ces termes-là? Ce gars-là, il est plus célibataire. Là. C'est terminé pour lui, le célibat. Là. C'est tellement. Je sais pas pourquoi il y a comme un aura de tellement c'est un beau gars. Je suis sûr qu'il déblaye l'entrée de l'hiver de toute sa rue, genre. Puis là, il vient, puis là, il est comme ça, m'en fait plaisir. Oui, il a son tracteur royal. Là. Non, il fait que l'appel. Là. C'est un workout pour lui, genre. Si on dirait qu'ils ont trafiqué sa robe de tapis chaud. À Alicia. Écoutez, je me demande comment ça se passe jusqu'à présent. Ça semble. On connaît les garçons de côté. Ils s'en vont bien. Ouais. Temps pour dire que c'est semaine de première. Eh bien, c'est pas fini. Ouais. Je m'en viens vous annoncer la première maison de l'amour. Ah! Saison. Ben voyons. Oui! Première maison de l'amour. Incroyable. Laurence, ça veut full, là. Le concept de la maison de l'amour a été un peu revisité. Il est tôt dans l'aventure quand même pour passer une nuit complète avec une candidate. On prendrait ça, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc cette année, on va beaucoup plus miser sur apprendre à connaître la personne avec qui vous y allez dans un moment d'intimité. Donc ça va être un moment plus intime, une date pour apprendre à vous connaître. Comment c'est plus intime qu'une maison de l'amour? Non, je vois rien, je vois pas. C'est qu'on dirait qu'ils veulent comme réinventer le consentement, genre. Parce que vous allez pas être forcé dans un lit bizarre avec quelqu'un, ouais. Puis au fil de la saison, les moments seront de plus en plus longs, mais pour l'instant, ça va être ça. Ah, ben vous avec ça. Ah, oui. Est-ce que vous voulez savoir c'est qui le chanceux? Ben oui, c'est Simon. D'abord, c'est une date. Oh! Mais Rebecca est plus là. Marilyn! On dirait qu'ils font exprès de créer genre des couples qui font. Ouais, ils vont ailleurs. Ouais, ils vont ailleurs. Ouais. J'espère qu'il va sortir son côté foufou. La fun. Je comprendrais pas la fille, ma belle. Je pense pas qu'il y en a un. Non, c'est ça. Oh mon dieu, c'est bien beau. C'est une photo d'eux petits. Oh my god. Hein? Impossible. Mon dieu, méchant job. Mais vraiment, gros job, pour vrai. Allô? Tu viens de voir. Oh! Salut, ça va? Mon dieu, c'est ton même temps. Lui a trouvé ça creepy! Il a fait comme what the fuck? Mais c'est intense! Il est comme ben voyons! C'est vraiment cute! Regarde, j'ai ri là! C'était bien cool pour vrai, beau setup avec les bulles de nuit. Fait que là, c'est toutes des photos des autres là. Exact! Okay. La photo que je spot le plus, c'est toi, c'est celle-là. Genre, chaque fois, je suis crampée, je suis genre impossible! Hey, cette photo-là, hein? Ouais. Yeah! Ouais, ça, c'était c'est ça, c'est moi. Je suis très bobbly, je montre ma personnalité. Mais et moi, je te trouvais très posée. Ils ont donc bien de photos! Là, on m'a dit, mais là, il y a un côté bobbly. Ils ont donc bien c'est pas ton côté, là, c'est plus fou, là. J'ai peur. Did you ever dream that you... Pas de combler, j'arrête pas de parler aussi. Je suis comme, on dirait, je suis sûre, excitée, tu sais. T'as-tu des enfants? Non. Mais moi, je pensais qu'à 22, j'allais avoir des enfants. Pour vrai? OK. Moi aussi, je pensais ça, mais tu vois, je viens de déménager en appartement. Je suis le genre de gars qui... Tu sais, oui, je suis terre à terre, je suis posé, je suis pas stressé. C'est comme si, avec toi, j'étais comme, OK, faut que je donne mon énergie. Non, faut pas que tu donnes ton énergie. Ben, je comprends aussi le fait que plus ça avance, plus que t'es à l'aise avec personne, ta personnalité aussi... C'est sûr que je suis moins extraverti pour le moment. Une fille qui prend le lead dans la date, ça me dérange pas. C'est pas une affaire que j'aime. Mais ça me dérange pas, tu sais, si elle a le plus de questions que moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu sais, je pense qu'avec le temps, tu vas avoir plus d'énergie. Non. Ah, eux autres, man, ça, c'est pas un fit. Avec le temps, je pense que tu vas finir par t'ouvrir. Mais non. Elle a besoin d'un gars qui est autant excité qu'elle. C'est quel genre de musique que toi t'écoutes? Chaque style a son moment. J'ai un peu plus de misère avec rap et pop, là. OK, moi, c'est mon genre. Ouais, c'est ça. Il y a de la misère. C'est pas grave, là. Moi, j'ai plus de misère avec le country, mettons. Ça. Ben, gars, moi, c'est mon fort. C'est quand même drôle. Le country, c'est vraiment... OK, ouais, non. Moi, non, mais c'est pas grave. C'est cocasse. On va trouver quelque chose qui va fitter avec les deux mots. Exactement. Ça coule bien, c'est une easy going. Mmh. À part qu'elle écoute pas trop de country, là. C'est rien que ça, son défaut pour l'instant. Là. Est-ce qu'elle était spontanée? Ouais, quand même. Ouais. Moi aussi. Si je pose une question, puis tu me dis oui... OK, ben donne-moi des exemples. J'ai peur que si je parle pas, il va être silencieux, il va prendre une plus longue pause, puis il va falloir que je prenne une gorgée. Essaye-le, il va s'adapter. Il est pas mon gars non plus, là. Si tu parles moins, ouais, il va... Il a quand même l'air gêné, là, vraiment, là. Si quelqu'un parle non-stop, l'autre s'adapte, puis il va comme faire... OK, elle va parler non-stop. Tu crois que je veux dire? Ah, ouais. Tu sais, c'est comme...
relaxe. Ouais. Les deux dernières années, ben, j'ai pas été vraiment à la maison. OK, ah, oh, mais attends, comment ça? Deborah, il does tout! Okay, ben, je suis allé dans le nord. On rénovait les maisons des villages. Mes amis aussi ont pensé à ça, aller dans le nord. Pis... Ces tatous sont horribles. Je vais checker. Vas-y. Ouais. Tu vas voir, justement, toi qui veux t'imprégner de culture d'ailleurs, ouais. C'est vraiment une bonne place. Là. Toi, ton setup pour. Mais non, il faut. Oui, il me pose des questions. Je vois pas trop loin. Pour que je rebondisse. J'aimerais ça continuer mon travail. Je suis full passionnée, très passionnée par ce que je fais. Par la danse. Par la danse. J'aimerais pousser la danse. Le pire, là, c'est que je danse à la job. Je me laisse aller, c'est madrier, yeah! Souvent. Que je me laisse aller. C'est madrier! Le chant comme toi. Nous, c'est tout ce qu'on a besoin. On va donner un casque, un truc à clous. Si c'est pour te rendre à l'aise, c'est sûr qu'on. C'est sûr que c'est mon genre de danse, là, un peu plus. Bon, ben, parfait, on va faire ça. Fait qu'il va falloir t'apprendre des danses en ligne. Ah non, ça pourrait qu'ils ont fité, peut-être, maybe. Non, je le vois pas. C'est trop poussé. C'est trop try hard. Ah, comment ça va? Viens nous compter ça, ah ouais! Lui va être fou content pour elle. Elle va être comme bof, lui va être comme bof. On était dans la maison de l'amour. Une maison de l'amour en pleine journée. Il était très posé, très doux, mais je suis allée direct dans voir son côté un peu, c'est quoi, foufou pis tout ça. Super ouverte, elle est down à faire n'importe quoi. Là. Justement, elle, un dimanche, ça reste pas à la maison. Là. Super énergique, de bonne humeur, les beaux yeux, beaux sourires. Ouais, c'est bon. J'ai eu des meilleurs flows, mais c'est parce que je pense que c'est les pauses. Puis on dirait que j'avais l'impression que je parlais beaucoup parce que je voulais combler ou je posais des questions. Est-ce que lui posait quand même des questions sur toi? Ou... Oui, posait, mais on dirait que j'avais l'impression que j'en posais plus. Mm. C'est quel genre de musique que toi t'écoutes? Est-ce que t'es spontané? T'as-tu des enfants? Potentiel? Oui. T'as peur? Ben là, j'ai passé pas mal autant de temps avec elle que Rebecca. Et laquelle tu préfères? Dur. Comment dur? Dur, hein? Les deux sont égales. J'ai pas de top 1. Hein. Rebecca, Marilyn. C'est quand même. Puis là. On joue après. Est-ce que c'est un gars qui t'intéresse, mettons, potentiel ou. Pense pas. OK. Fait que je dirais pas genre non, mais c'est pas vers lui que je vais aller. Mais tant mieux, c'est positif pour elle si elle, lui, l'aime bien. Le date va passer vite. Ouais. Ah, ça va pas éliminer. Par contre, je pense à arrêter. Ouais. Moi, Samy, je trouvais cool, là. Hello? Putain, depuis que. Je sais que c'est vraiment cave, puis je veux pas juger, mais depuis que je sais qu'il y a une entreprise de botox, je le trouve vraiment moins hot. Mais il est très hot, mais il a l'air d'avoir un très bon potentiel douche. Puis son nom, l'autre. Magnifique. Pour de vrai, le fait qu'on ait eu ce temps-là de pouvoir discuter, se connaître en détail, elle a vraiment dit que... C'est vrai, oui. Quand elle a su que c'était moi, sa date, elle était contente. Tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas dans Jérémy. La foule humour, mais exact. Ça, c'était cocasse. Il était pas dans la foule humour. C'était flowy, là, On n'a pas... Mais ça s'en va qu'il n'y a pas. Il est pas drôle, tu sais. La date que j'ai eue aujourd'hui, c'était un 10 sur 10. T'sais, je l'adore puis j'aimerais ça continuer à apprendre à le connaître vraiment là, comme je me ferme pas mais c'est sûr admettons que j'ai pas le même sentiment qu'avec mettons hier avec Mathieu mettons. Ouais. Okay. On dirait que j'ai elle a même appelé là. Mathieu, là, elle a pas appelé Pasteur. Ouais. Parce que mais l'autre Matt B tout là, il y a un peu nous. Ouais. Peur d'avoir été comme trop sympathique avec Joannette puis d'y envoyer des mauvais signaux. Genre, t'étais gentille non, avec Anthony, ben, j'étais chill. Super, ouais, okay, j'étais parfait. Super gentille. Ok, super, ça me rassure. Autant Bobby. Ok, parfait. Comme, genre, j'étais intéressée à c'est ce ça. C'est pas un exact. S'engager avec quelqu'un, c'est pas juste, ouais, t'es belle, vas-y, on y va. Il y a beaucoup de belles filles. Mais il faut choisir la bonne selon qu'est-ce qu'elle va te ramener bravo et qu'est-ce qui te ressemble le plus. Bravo beaucoup. Ouais, c'est la chose la plus importante pour moi. Même toi, je pense. Ah, Odé, tu piques tes moments en esti pour te toucher, là. Moi, je me suis touché une fois. Ça me surprend tellement de toi. Non, mais c'était tellement c'est-tu weird. C'est parce que t'avais pas de porn? Non, c'est parce que Chris, il y avait genre 7 dudes autour de moi. Ah, mettons, Dani puis Joannelle, ce serait lequel des deux? Je pense que je choisirais Dani. Ouais? Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça va jouer entre ces deux-là. Je pense aussi, ouais. À moins qu'il y ait vraiment Mathieu B, on n'ait pas d'affinité du tout avec lui, mettons. Je le cachera pas que Antoine, Vincent et Simon partiront jamais. T'sais. Mais c'est, moi, je pense que Matt Pastaille est vraiment sécurisé. Même Antoine? Oui. Même Anto. Je pense pas qu'il est en danger, mais je pense pas qu'il est sécurisé à 100% non plus. Moi non plus. Mon Dieu, c'est fini. Oh, que c'était une ça. Grosse première semaine. Ah, ouais. Mais c'était bien le fun, la gang, d'écouter ça avec vous. Yes, je pense qu'au deux, ça va être débile moi, cette année. J'aime beaucoup, beaucoup la gang qu'on nous a offert. Vraiment. Aujourd'hui. Pour vrai, ça va être vraiment une belle saison. Pour les gens qui nous suivent sur YouTube, si jamais ça vous tente de checker ça en live avec nous, on vient de le faire à l'instant. C'était le jeudi. Jeudi, 6h30 environ, Be Ready. Ouais. Puis le dimanche, c'est 8h, tapa, pow. Sur twitch.tv/mattelrein. Sinon, pas stress, on va avoir les épisodes quotidiennement, régulièrement, à chaque semaine. Ouais. Donc, yeah.